thématiques liées à ce genre d'outils de travail. Et donc, je me réjouis et je suis très content d'avoir ce produit à notre disposition. Une collaboration, bien sûr, future et fructueuse sera sans doute menée avec nos partenaires pour, bien sûr, le développement et une contribution en termes de niveau recherche pour développer, bien sûr, des modules qui vont être associés à cette ERP et, bien sûr, de le faire adapté à notre contexte marocain et principalement le tissu industriel et le tissu juridique de notre pays. Donc, sans trop d'attendre, le monde socio-économique, chers collègues, professeurs, enseignants, chers étudiants, très haut de loin, à la réussite de ce projet-là, notamment les enseignants du département mathématiques et informatique. Effectivement, donc dans l'aboutissement de ce travail, ainsi que les étudiants donc du département mathématiques et informatique. C'est là où on avait contacté un certain nombre d'entreprises et on avait démarré un travail avec une entreprise dans la zone industrielle de Humadia, française, au Mexique. Nous avions donc la tâche donc de corriger en fait. On n'a pas pu donc acheter les sources, c'est pourquoi on a. Mais ça, le Maroc, on s'est séparés donc, pour un moment, et puis il ne nous a pas oublié. Lorsqu'il a eu l'exclusivité de distribution de l'ERP Ubiloc, donc il a pensé à nous, et puis on a repris contact et on a commencé à travailler ensemble, donc avec une certaine promotion et la deuxième promotion. Alors, cette ERP aujourd'hui, Dieu merci, donc je commence par le côté académique. Donc les étudiants de la filière d'ingénieur management de la logistique industrielle sont les plus concernés, les premiers concernés, parce que, comme vous l'avez voir, vous allez le voir tout à l'heure dans la présentation de M. Kamal Andri, c'est l'éventail donc d'utilisation de cette ERP dans la gestion de production, la qualité, dans la chaîne supply chain management, donc la gestion donc, dans bien sûr, il y a un rapport cursus de filière d'ingénieur. Donc, moi, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je tiens à remercier donc toutes les composantes, tous les enseignants qui ont contribué, tous les étudiants. Et les étudiants sont bénéficiés de cette importante convention. Mesdames et messieurs, chers étudiants et chers professeurs, nous allons reprendre après un instant avec une présentation de la société Salmara. Nous avons plusieurs partenaires nationaux et internationaux qui nous ont fait confiance, tels que Ovilog et Alcisia. En plus, des clients partenaires qui sont répartis dans le domaine industriel comme A2S et Sonopal. De cette partenariat, donc je tiens vraiment à remercier donc, vraiment très fort toute l'équipe STAN qui ont contribué à cet événement. Et comme dit tout à l'heure Madame la directrice, donc aujourd'hui c'est notre deuxième année donc, d'existence, nous existons en train, et vraiment ça a tombé dans un moment très bien. Donc, et nous sommes vraiment fiers d'être parmi vous aujourd'hui et aussi de pouvoir représenter le Maroc entièrement vis-à-vis à d'autres partenaires qui sont à l'étranger. Donc aujourd'hui donc, on fera une présentation du logiciel, donc Procos, un logiciel de gestion intégrée pour les entreprises industrielles. Donc notre logiciel est, on va dire, dédié pratiquement pour tout ce qui est PME. Pour toutes les PME. Le groupe A26, il est composé de Casa Solutions, Ovilog et Agigion. Donc ce sont trois spécialités, on va dire, différentes qui vont être le groupe. Où on traite toutes les GMAO, les GPA, les PBM. Nous faisons partie d'un groupe suisse avec une entité en Tunisie et celle du Maroc. Je gère 360 personnes aujourd'hui. Je suis accompagné de SAN Maroc pour toute la partie GMAO, tout ce qui est maintenance, suivi des moyens, du matériel pour le développement de l'entreprise. Voilà, merci beaucoup.
Mene. Mene. Bonjour tout le monde. Voici pour vous une brève synthèse des termes de cette convention. La présente convention de partenariat est signée entre l'ENSET, représentée par Madame spécialisée dans la mise en place. Applaudissements.